C'est les vieux bateaux de Sion. C'est les vieux bateaux de Sion. C'est les vieux bateaux de Sion. À partir à partir. Prêchez-nous. Jésus ne change pas. Ici la parole, Yahweh, il parle maintenant, il parlera jamais. Jésus ne change pas. J'entends Alléluia. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je profite quand vous êtes debout là de lire une portion de la parole. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, en commençant verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden. Du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable. Bon à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Seigneur Dieu, nous lisons parce que nous sommes étudiés. Mais nous demandons à toi seul de venir en scène pour nous rendre, pour que nous parlions cela de votre part. Donnez même à l'auditoire un bon entendement spirituel, Seigneur, pour comprendre ces choses, parce que c'est une bonne heure de leur part. Nous disons merci à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu du ciel vous bénisse. Aujourd'hui, nous touchons l'homme de chair à image animale et l'homme aussi dans le jardin d'Éden. Parce que quand Dieu a créé l'homme, premièrement, il a créé l'homme à son image. Et cet homme était l'homme esprit ou théophanie. Cet homme-là n'avait pas la chair pour cultiver le sol. C'est pourquoi Dieu, il a donné un chair humain
semblable à un animal. Il l'a placé dans le jardin d'Éden pour que l'homme soit là. C'était avant la chute. Je vous ai dit la semaine passée que l'homme avant la chute était aussi dans l'éternité comme Dieu. Amen. Quand il était là-bas, il était dans le cercle éternel comme Dieu était aussi là-bas. Dieu, Zambé, au ciel, Nalikolo, l'homme, Moto, sur la terre, Nasé, mais dans l'éternité. Amen. Il n'y avait pas le temps. Mais le temps était dans l'éternité. Maintenant, écoutez, question-réponse sur les Hébreux, partie 3.